patiner pour tous ceux qui sont en Ukraine, les danseurs sur glace Oleksandra Nazarova et Maxime Nikitin, deux des cinq Ukrainiens présents aux mondiaux de patinage artistique à Montpellier cette semaine, ont fait le déplacement malgré la guerre pour soutenir leur pays autant qu'ils peuvent. On était tous les deux à Kharkiv quand la guerre a commencé. Nos familles entières sont encore en Ukraine et on a vu ce que l'armée russe fait. C'est ignoble, raconte Nikitin. On a vu les tanks, entendu les tirs, ma maison n'a plus de fenêtres, décrit Nazarova. Venir jusqu'à Montpellier a été long et compliqué. On est parti en voiture mais il y avait énormément d'embouteillages, dit Nikitin. J'ai conduit environ 8 jours pour faire seulement 600 km. Parce que beaucoup de gens fuient, explique Nazarova. Les deux patineurs ont ensuite rallié la France depuis la Pologne en avion. Vendredi, ils ont patiné, non pas en costume, mais chacun vêtu d'un t-shirt aux couleurs de leur pays, bleu pour elle et jaune pour lui. Comme chanson, ils ont choisi 1944, écrite par la chanteuse ukrainienne Jamala, lauréate de l'Eurovision en 2016. Le texte évoque la déportation stalinienne des Tatars de Crimée.